Avant de commencer votre visionnage, je voudrais vous remercier toutes et tous ceux qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne. Votre présence me fait chaud au cœur et n'hésitez pas à me laisser des petits messages pour que ce moment devienne un peu plus interactif. Merci. Ça devait être l'étape la plus longue de notre périple, elle restera comme la plus douloureuse. Dès les premiers pas, je suis en souffrance sur chacun. Le rythme que nous sommes imposé hier a terriblement meurtri mon genou. Le temps est gris et très frais. Les vaches à la langue bleue et aux yeux ourlés de noir nous regardent passer. Nous allons parcourir les premiers kilomètres en compagnie de Jean-René, Marie-France et Dominique. À la chasse de père, Dominique nous précède. Depuis notre rencontre le premier jour à Montbonnet, nous nous croisons régulièrement sur les étapes. J'apprécie sa philosophie, son écoute, sa discrétion, sa bienveillance. Ce plateau de l'Aubrac est envoûtant, même dans son enveloppe de grisaille. Malgré ma volonté et mon courage, je dois me résigner à quitter le chemin. Chaque pas est une torture. La colère, le désespoir, la tristesse m'envahissent. Je ressens une immense détresse. Mon rêve ne se réalisera pas. Je vais devoir renoncer. C'est grâce à deux automobilistes compatissants que nous rejoindrons notre gîte à Montgros. Il est 13h, bien incapable de penser. Je suis si déçue. Une bonne douche. Un repos, de la méditation, on commence à réfléchir. Notre chemin sera différent, mais il sera. Il continue. Je ne peux pas, je ne veux pas renoncer. Ce soir, je vais me coucher apaisée. Ce montage est court, j'espère qu'il vous aura plu. Et je ne doute pas que vous aurez compris que nous n'avions pas le cœur à nous faire des souvenirs ce jour-là. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite.